Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce matin, nous allons parler de Coinbase et de son attaque frontale contre la pièce PP. Nous allons un temps soit peu en parler, voilà, donner un peu notre avis là-dessus. Voilà, et nous allons parler aussi, euh, voilà, des longues un temps soit peu. Voilà, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activer les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, Coinbase a commencé à s'attaquer voilà, à PP. Mais bien avant ça, nous allons regarder déjà les tendances du marché. Voilà, comme vous voyez ici, le marché est pratiquement ouvert, le bitcoin tente de remonter. Voilà, nous sommes à 27 499 dollars. Voilà, euh, avec une capitalisation boursière qui a largement diminué était de plus de 1000 milliards de dollars, nous sommes à 530 milliards de dollars actuellement. Alors vous voyez que si le vieux même a baissé, ce n'est pas les autres qui ne vont pas baisser. Les petits frais vont baisser aussi. PP qui est à moins 7,9%. Alors bien qu'il soit ouvert, alors la capitalisation boursière qui avait atteint les 1 milliard de dollars se retrouve actuellement à 654,72 millions de dollars avec un market cap en 24. Heures. Voilà une volume. C'est-à-dire qu'un volume journalier qui est autour de 400, voilà, euh, 7 dollars. Voilà, un peu euh, 405 millions de dollars. Alors un marché aussi qui était allé un peu plus loin que ça. Voilà, il est allé jusqu'à plus d'un milliard. Voilà, un marché qui est autour de euh, 400, 407 euh, voilà, millions de dollars ici. Donc, vous comprenez là que, voilà, c'est un marché qui, tant bien que mal, essaie d'évoluer. Voilà, mais comme on est dans un marché baissier, alors, euh, voilà, vous devez comprendre là que, voilà, le marché euh, de PP, voilà, PP fait tout pour rester, voilà, dans une certaine dynamique. Voilà, donc, euh, nous allons partir regarder l'article sur Coinbase et nous allons commenter. Voilà L'article ici euh, sur Coinbase, on dit, est-ce que voilà le jeton PP amènera Coin, Coinbase à sa perte Alors voilà l'interrogation qui est posée ici. Voilà, donc euh, cette affaire, euh, voilà, euh, de, des allégations lancées contre PP. Alors Coinbase dit que PP, voilà, est, voilà est, est juste pour l'effigie voilà, de PP. Voilà, et pour les suprémacistes blancs qui, voilà, qui prônent la haine. Voilà, ceux dont parle l'article dans toute sa splendeur ici. Alors, on dit que même si c'est vrai, tout s'est fait là, mais est-ce que Coinbase était obligé de venir en parler? Alors, tous ceux qui sont dans PP, alors, ont décidé la perte de Coinbase. Alors, ils ont demandé à ce que, voilà, vous voyez comme les PP sont en train de chercher à bouffer Coinbase. Alors, ils ont demandé à ce que, voilà, tous ceux qui sont fanatiques de PP, alors, essayez de se désabonner, ceux qui ont des comptes avec Coinbase, essayez de se désabonner. Voilà, mais je pense que Coinbase n'avait pas à revenir sur ces détails-là, puisque PP a bien clairement dit que, voilà, son image avec PP des flogs, voilà, des marques, n'a rien à voir avec la crypto-monnaie. Voilà, bien que ce soit la même image, alors, eh, les, les, crypto, les cryptophiles... Voilà, je voulais que voilà, Coinbase s'abstienne de toutes ces remarques qui ne sont même pas intéressantes d'ailleurs. Alors, Ocas OK, aussi, qui profite, parce que c'est un concurrent direct de Coinbase, pour dire que, voilà, toi, Coinbase, au lieu de te préoccuper de tout ce qui est en train de se passer, voilà, et c'est toi qui donnes des conseils aux gens pour dire, voilà, eh, les Américains sont ceci, les Américains sont cela, ils doivent bien faire les régulations, OK, mais tu penses que c'est toi qu'on doit écouter, ça c'est Ocas OK, qui les dit. Voilà, Coinbase a fait voilà, un article sur Washington Post ici. Alors, c'est l'article de Washington Post là que okay, so, voilà a, a essayé de, de commenter. Lisons un peu ce que Coinbase a dit sur voilà l'article que Coinbase a mis sur New York Post en disant que les institutions américaines sont une partie essentielle du système financier traditionnel, mais... Elle s'appuie sur une technologie obsolète inventée avant l'Internet, même, qui ne sait pas ni les, ni, les, ni les clients, ni même les États-Unis en elles-mêmes. Voilà, qui dont la crypto-monnaie peut aider. Ça, ce sont les remarques de Coinbase, voilà, pour dire que, voilà, tellement les institutions américaines les amènent. Et même, ont lancé un procès contre la SEC américaine pour dire que, voilà, c'est de façon très, très floue la SEC en train de mener cette régulation. Alors que le système, c'est. Se détériore les gens du monde entier en paye le prix la crypto monnaie compte plus de 400 millions d'utilisateurs dans le monde car elle propose de vraies solutions technologiques si les utilisateurs de crypto étaient un pays alors il serait la troisième plus grande nation en termes de population au monde ah, ça c'est ça c'est vraiment fort alors on dit Coinbase dit si la crypto monnaie était une nation alors la crypto monnaie serait voilà et une grande nation forte de plus de 400 millions voilà, d'utilisateurs. Et ça, c'est très fort. C'est très, très fort. Alors, tout ça pour parler un peu en bien des, des, des crypto-monnaies. Alors que OCES, okay, eux aussi, les attaquent là-bas pour dire que, bon, malgré tout ce que vous êtes en train de dire, alors vous suivez, vous êtes dans... une position où vous êtes centralisé. Alors c'est comme si vous êtes avec les régulateurs, même si on vous emmène aujourd'hui. Alors, ne venez pas chanter ici pour faire comme si vous êtes prêts pour les crypto-monnaies. Voilà, parce que si vous êtes prêts pour les crypto-monnaies, vous ne devez pas vendre aussi vos différents concurrents aussi. Voilà, ici, on dit ici 4. Voilà, on dit 66% euh, des utilisateurs de la crypto-monnaie viennent des pays en développement, souvent dans des endroits où le système actuel ne répond pas à leurs besoins. Aux États-Unis, 14,1% des menaces sont sous-bancarisées. Des ménages sont sous-bancarisés et peuvent faire face à des frais élevés pour utiliser leur propre argent. La crypto offre aux gens un moyen de participer à l'économie mondiale. Voilà ce que Coinbase dit. Alors, c'est un truc qui est assez long. Alors, nous n'allons nous pas tout dire ici, mais vous allez partir sur le Twitter officiel pour voir le reste. Alors, ils expliquent ici que voilà la crypto a apporté de la stabilité, par exemple, au Venezuela grâce à l'hyperinflation qui se passe là-bas. En Égypte, au Liban, ont récemment dévalué leur monnaie et les pièces stables comme l'USDC, qui est lui-même sa propre pièce, alors détenues, bah, voilà, qui détiennent actuellement 1,6 million de, de personnes détiennent cela et cela est indexé contre le dollar. Et donc, ce sont des options pour eh, l'inflation voilà, dans ces différentes zones-là. Voilà. Ils expliquent ici aussi que le Mexique, voilà le Mexique les envoie de fonds. Voilà, euh, au niveau du Mexique, voilà, les crypto-monnaies, les envois de fonds en crypto-monnaie vers le Mexique ont dépassé voilà, le milliard de dollars au premier, au premier semestre 2022. La crypto-monnaie efficace est presque instantanée, tandis que les virements électroniques, voilà, il dire les virements de banque et tout ça à l'étranger sont lents et très coûteux. Voilà ce que Coinbase dit à travers tout ceci. Voilà. Alors, il essaie de il essaie de, de, de redonner. Voilà, de, de la quintessence à ces dit, alors que les fanatiques des PP, voilà, quant à eux, ne sont pas d'accord avec Coinbase et même demandent à ce que toute personne qui a un compte Coinbase essaie de quitter. Voilà, tous ceux qui ont des trucs, voilà, sur Coinbase quittent là-bas. Alors, on dit que euh, l'entreprise de Brian Armstrong suggérait aux institutions financières de troquer leur système obsolète contre la crypto-monnaie. Ok, sont. On ajoute une couche en affirmant que certains, eh, voilà, qu en que suivre le conseil d'une entité centralisée n'était pas une bonne idée pour quiconque débutait dans le secteur des crypto-monnaies. Voilà ce que y okay, a tuté aussi. Donc, ça s'attaque de tous les côtés. Il <laughs> dit la morale de l'histoire quand on dit la vérité, on est toujours le premier pointé du doigt. Voilà ce que l'article nous dit ici. L'un dans l'autre, vous devez comprendre là que Coinbase, en tout cas, a mal fait de s'attaquer à PP parce que c'est la pièce la plus médiatisée. Alors que lui-même, il est sur les radars de la SEC. Alors pourquoi s'attirer d'une mauvaise presse en attaquant la crypto-monnaie qui est plus médiatisée actuellement Donc nous espérons qu'ils vont présenter des excuses, en tout cas, pour ne pas se voir eh, perdre beaucoup de clients voilà, à cause de cette crypto-monnaie. Parce que quand une crypto-monnaie est en train de faire c'est que Pépé est en train de faire, qu'elle est assez médiatisée. Alors vous devez comprendre là que vous devez faire très, très attention. Si Binance même l'a listé, ce n'est pas toi, Coinbase, qui va dire que tu vas dire le contraire. Donc tu vas dire, Binance, là, lui, il sait pas analyser les choses. Alors lui, il suit la tendance, il suit les utilisateurs. Toi, tu ne pas aller à contre-courant, sinon tu risques de te prendre claque. Voilà ce qu'il faut comprendre à travers ceci. Donc euh, dernièrement aussi Elon Musk aussi a fait un tweet euh, dessus. Dans la prochaine vidéo, nous allons débattre euh, sur ce sujet concernant Elon Musk qui a fait un tweet euh, voilà sur euh, voilà, PP, ce qui était prévisible déjà par rapport voilà à, à certains précédents. Voilà nous allons en parler. Alors pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, euh, voilà sachez toujours que voilà c'est disponible. Vous pouvez nous écrire voilà ou nous appeler. Voilà, par rapport au numéro WhatsApp qui s'affiche sur l'écran ici. Alors, la formation au niveau des autres villes, que ce soit Abidjan, le 8 et le 9 juillet prochain, rentrant en contact avec le grand leader qu'on appelle Bill, le leader, Georgette, le leader Elisabeth pour la zone d'Abidjan. La zone de Mans, très bientôt, c'est le 2 et le 3. Voilà. Le juin prochain, rentrant en contact avec le grand leader qu'on appelle Nyawa pour vos différentes inscriptions. La formation concernant la ville de Ganywa, c'est prévu le 24 et le 25 juin prochain, rentre en contact avec le grand leader qu'on appelle Djomande pour vos différents inscriptions inscriptions au niveau des Ganyoua, Oumé, Senfra et toute la zone. Donc, la formation concernant la ville d'Abengourou s'est prévue le 27 et le 28 juillet prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Yapi pour vos différentes inscriptions. La formation concernant euh, voilà, euh, la ville de San Pedro s'est prévue le 18 et le 19 août prochain. Alors, sachez toujours, et toujours ça, c'est avec le grand leader qu'on appelle voilà, Thébi Joseph et son acolyte Sango, comme d'habitude. Alors, il se prépare déjà à nous accueillir au niveau de San Alors, sachez toujours que la chance accordée accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.